Aujourd'hui, pour notre cours de karaté, je vous propose le mouvement Gyakuzuki. Tsuki, ça veut toujours dire point, ça n'a pas changé. Gyaku, ça veut dire contraire. Donc, Gyakuzuki, ça veut dire coup de poing contraire. Ça signifie que lorsqu'on va avoir le pied gauche devant, on aura le poing droit devant. Et bien sûr, lorsqu'on aura le pied droit devant, on aura le poing gauche devant, d'où l'appellation Gyakuzuki. Dans le Gyakuzuki, on va retrouver un certain nombre des paramètres qu'on a déjà travaillé dans le Karatsuki, à savoir le coup de poing sur place et dans le Oizuki, le coup de poing en poursuite, le coup de poing en avançant. Alors, le Gyakuzuki est un coup de poing dans lequel on va prendre une position basique, comme dans le Oizuki. On se souvient de ce mouvement. Mais la recherche d'efficacité va se situer dans un élément un petit peu différent, à savoir que dans le Oizuki, on cherchait une translation frontale du corps et un coup de poing qui se faisait dans le mouvement, c'est-à-dire au moment où on posait le pied, pour pouvoir chercher et trouver l'efficacité. Dans le Gyakuzuki, on va faire une rotation du bassin comme celle qu'on faisait dans ce mouvement sur place, qu'on a travaillé bien avant. Donc, lorsqu'on va avancer, on va prendre une position qui ressemble à ce qu'on faisait dans Oizuki, mais on va frapper avec le poing contraire et on va chercher l'efficacité dans la rotation du bassin. Ce qui fait que lorsqu'on va avancer, ça ne va plus servir à aller vite vers l'adversaire pour l'atteindre, mais ça va servir seulement à préparer le corps pour pouvoir tourner la hanche correctement en faisant le mouvement. Vous me direz, et vous auriez raison de le dire, et à ce moment-là, le mouvement ne sera pas rapide, puisqu'on va se contenter d'avancer doucement pour frapper vite, oui. Mais autant Oizuki était un mouvement d'attaque, donc il fallait aller vite dès le départ du mouvement pour surprendre l'adversaire, Gyakuzuki n'est pas un mouvement d'attaque à proprement parler, c'est plutôt un mouvement de riposte ou de contre-attaque. On aura l'occasion de le voir un petit peu plus loin dans ce cours. On va maintenant donc prendre la position basique, la position yoi. Préparez-vous donc. Vous avez le poing droit devant, moi j'ai le poing gauche. Et ensemble, nous allons avancer le pied qui correspond au bras qui est devant. Donc pour vous, ça va être le pied droit. Dans cette position maintenant, il va falloir être armé. C'est-à-dire que la hanche va devoir être légèrement tournée pour pouvoir lancer le bras. Donc à partir de cette position, on va faire plusieurs fois la même chose en retirant le bras vers l'arrière, on retire la hanche et en lançant la hanche, on fait le mouvement. Donc on le fait doucement et ensemble. Maintenant, je le fais avant vous, vous regardez et vous le faites. Donc je vous propose de faire ce mouvement seul pendant quelques minutes et de le faire bien sûr des deux côtés, avec le poing droit et avec le poing gauche, et je vous retrouve ensuite, après cette pause d'image. Bien, alors vous voyez que de nouveau j'ai mis deux ceintures sous mes pieds parallèles de façon à ce qu'on mette un petit peu l'accent sur la notion d'écartement latéral dans le mouvement. Il y a donc dans un mouvement technique un écartement latéral important, un écartement longitudinal également important. Si on regarde le profil, on voit que finalement cet écartement me correspond bien. Si j'étais beaucoup plus souple, peut-être que je pourrais descendre un petit peu. Si j'étais beaucoup moins souple, peut-être qu'il faudrait que je remonte un petit peu. Donc la position que je vais prendre correspondra à peu près à mon degré de souplesse et à mon degré d'aisance dans la posture, donc de capacité à réaliser le mouvement dans une posture approprié, bien sûr. Alors là, on s'arrête à l'écartement latéral lorsqu'on va faire ce mouvement, ce qui fait que si maintenant j'avance mon pied comme ceci, j'ai préparé ma hanche, je vais donc donner mon coup de poing. Lorsque je vais avancer pour donner le coup de poing suivant, je vais bien sûr d'abord faire mon déplacement qui va consister à préparer mon corps avec la hanche
tourner vers l'extérieur et ensuite libérer ma hanche de cette façon-là. Et si je refais un mouvement comme ceci, ça va redonner exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est le faire ensemble. Vous mettez deux ceintures ou alors deux bandes de scotch devant vous comme ceci, écartées à peu près comme ceci pour vous permettre d'avoir un écartement latéral correspondant à peu près à la largeur des hanches. D'ailleurs, beaucoup plus important sur le gyakuzuki que sur oizuki, parce que sur oizuki, si on avance et qu'on a les deux pieds un peu serrés, on arrive quand même à s'en sortir. Sur gyakuzuki, si on a les deux pieds sur la même ligne, la hanche ne pourra pas tourner. Donc on n'aura pas d'efficacité dans les mouvements. Alors maintenant, on avance pour moi le pied gauche, pour vous le pied droit. Et on met le point inverse devant. À partir de ce moment-là, je vais faire un déplacement pour préparer mon mouvement. Et vous faites le même déplacement. Maintenant, je vais tourner mes hanches et je vais frapper. Et vous faites de même. J'avance, je me prépare de nouveau. Je frappe en tournant les hanches et vous faites pareil. Et on va faire la même chose en reculant maintenant. Je recule et je prépare mes hanches. Je frappe. Je recule, je prépare mes hanches, vous aussi. Je frappe et vous frappez. Maintenant, on va faire la même chose, mais légèrement plus vite. Alors, dans ce mouvement, le pied pose avant que le poing ne frappe, mais il n'empêche que si je fais le mouvement normalement, ça va quand même aller à une certaine vitesse que je vais vous montrer. Ça va quand même relativement vite. On va donc chercher cette unité. Moi, je vais frapper avant vous. Vous regardez et vous me suivez. À vous, à vous, à vous, à vous. On fait encore une série. Voilà. Je vous laisse maintenant faire ce mouvement seul quelques minutes. Et comme d'habitude, on se retrouve juste après. Bien, nous revenons sur notre mouvement gyakuzuki. Et maintenant, on va travailler un petit peu l'impact. C'est-à-dire, on va voir comment, avec la recherche d'efficacité, la rotation du bassin et une bonne posture, on va pouvoir frapper sur une cible en ayant une certaine efficacité. Donc je vais demander à Jean-Claude de venir pour m'aider à réaliser l'exercice. Voilà, donc je vais prendre la position dans laquelle je suis le mieux préparé. Et je vais positionner mon poing gauche à l'impact et je vais préparer ma hanche ici. Ensuite, je vais lancer ma hanche qui, elle-même, va déclencher mon coup de poing. Comme ceci. Donc, entre le moment où le poing gauche quitte l'impact et le moment où le poing droit y arrive, il y a le moins de temps possible, bien sûr. Et à chaque fois que je reviens, je reprépare ma hanche pour qu'elle soit à l'origine de mon mouvement. Alors vous voyez que lorsque je reprépare ma hanche, je remets mon poing gauche à l'impact. Donc je peux très bien utiliser cette rotation du bassin pour donner un coup de poing avec mon poing gauche. Regarde, on va avoir ce poing droit. Et ensuite, on peut très bien utiliser la rotation pour redonner un coup de poing. Avec le poing gauche. Ce coup de poing avec le poing gauche, on ne l'a pas encore vu, on le verra dans un cours prochain. Mais vous pouvez déjà prendre de l'avance par rapport à ceci. Donc vous voyez que si j'oublie de ramener mes hanches lorsque j'ai fait le mouvement, et bien sur le mouvement suivant, je mets que la force du bras. Si je pense à préparer mes hanches, à revenir, j'ai bien sûr beaucoup plus de pénétration dans le mouvement et beaucoup plus d'efficacité naturellement. Donc, si vous le voulez bien, vous pouvez faire une pause image et travailler un petit peu ce mouvement sur un impact ou sur une feuille de papier, sur quelque chose qui matérialise en fait le mouvement, et me retrouver dans quelques minutes pour la suite et la fin de ce cours.
Bien, on a bien avancé sur Gyakuzuki, sur ce mouvement, sur coup de poing contraire. Maintenant, on va explorer quelques-unes des opportunités d'application de ce mouvement. Et en même temps, vous allez voir pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément un mouvement d'attaque, c'était plutôt un mouvement de riposte ou de contre-attaque. Mais on verra aussi un cas dans lequel ça peut être un mouvement d'attaque. On va vous expliquer tout ceci. Et je vais faire pour ce faire, je vais demander encore à Jean-Claude de m'aider. Voilà. Alors la première opportunité d'application, ça va être l'opportunité la plus basique où mon partenaire me fait une attaque de technique de base et à partir de laquelle je vais répondre par une défense de base également, qu'on verra dans un prochain cours. Et je vais donc me servir du Gyakuzuki pour contre-attaquer. Donc on va faire ça à une vitesse lente, puis moyenne, puis importante. Et vous voyez que sur mon premier temps, je prépare ma hanche pour pouvoir faire un bon gyakuzuki derrière. Donc dans ce système-là, je sais ce que fait mon partenaire, il sait également ce que je fais, et simplement, on va de plus en plus vite pour développer un certain nombre de qualités, on va dire, de vitesse, de puissance, et en cherchant un peu l'effet de surprise malgré tout, mais là il joue très peu puisqu'on sait très bien ce qu'on fait tous les deux. Alors, maintenant, dans un système un petit peu plus dynamique dans lequel on sera en train de bouger tous les deux, mon partenaire va pouvoir faire par exemple un coup de pied qu'on verra dans un cours prochain. Je vais me défendre et on voit bien que là, de nouveau, Gyakuzuki, c'est un mouvement de contre-attaque, c'est pas un mouvement d'attaque, c'est un mouvement de riposte en fait, hein. Donc, on refait ce mouvement un peu plus vite. Un peu plus vite. Donc ce qui est important pour moi, c'est de bien préparer mon gyakuzuki, donc au moment de ma défense, de préparer mes hanches pour pouvoir faire un bon gyakuzuki ici et me servir de mes hanches pour avoir un mouvement assez efficace. Ça, là, c'était un mouvement de riposte. Dans d'autres cas, ça va devenir un mouvement de contre. C'est-à-dire que lorsque mon partenaire va m'attaquer, je vais esquiver son attaque et dans le même temps, je vais faire un contre. Donc je vais entrer dans son attaque en fait. Une autre possibilité. J'avais promis que je vous montrerais une situation dans laquelle Gyakuzuki pouvait devenir un mouvement d'attaque. Là, c'est plutôt une situation de combat, de compétition, dans laquelle je vais peut-être faire une feinte d'Oizuki. Et sur la fin de mon mouvement, je vais faire un Gyakuzuki. Mais dans ce cas-là, pour gagner de la vitesse, parce que mon coup, je voudrais qu'il porte vraiment, je ne vais plus faire très attention à ma position de base, bien que je vais rechercher quand même une certaine stabilité. Mais dans ce cas-là, la rotation du bassin sera moins importante. Pourquoi? Parce que j'aurai une translation frontale assez rapide, comme quand je fais Oizuki. Donc, je vais profiter de cette translation frontale pour donner de la force à mon mouvement, ce qui me demandera moins de rotation, bien sûr. Donc, je le remontre encore une fois, ici. Là, j'aurai certainement une certaine efficacité, mais que je ne rechercherai pas comme on l'a recherché tout à l'heure dans la rotation du bassin. Donc voilà quelques... Merci Jean-Claude. Quelques situations d'opportunités d'application de ce mouvement Gyakuzuki. Et dans un cours prochain, on travaillera sur les aides à la pratique sur Gyakuzuki. Donc sur chaque mouvement qu'on apprendra, on aura un cours d'aide à la pratique où on améliore le mouvement, où on voit d'autres situations pour évoluer et parfaire un petit peu les différents mouvements sur lesquels on va travailler au fil du temps. Voilà. J'espère en tout cas que ce cours vous aura plu et je suis impatient de vous retrouver sur Internet pour un cours prochain.